Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vois pas d'indication encore qui me confirme que certaines personnes sont arrivées. Alors, mon nom est Renée Sévigny. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Je suis de retour chaque semaine le mercredi. Vous pouvez suivre tous mes propos en direct le mercredi à 1 h, mais vous pouvez aussi les suivre sur mon site internet renésévigny.com. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur certaines manifestations actuelles, entre autres le corps de lumière qui veut se manifester présentement. Et les conférences et les propos que je donne à différents moments dans l'année, vous allez pouvoir les retrouver aussi sur mon YouTube personnel à partir de mon site et de mon YouTube aussi. Alors, je suis contente de venir faire un propos près de vous aujourd'hui et je vois toujours pas si le direct fonctionne. Alors, j'attends. Bon, merci Jean, c'est drôle parce que je ne vois pas personne. Jean vient de me dire que vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Alors, écoutez, les énergies actuellement sont très, très fortes. Naturellement, on traverse une période des plus importantes en cette période de Pâques. Et c'est pour cette raison que je voulais vous parler de cette période sacrée parce que oui, il se passe beaucoup de choses à travers le monde actuellement, mais en même temps qu'à la surface de la Terre, il se produit des événements majeurs et marquants. Au centre de la Terre, en Agartha, il y a certaines situations qui ont lieu et c'est un peu pour ça que de cette question, en fait, que je voulais vous parler, car c'est en Shambhala, en Agartha, que se produisent les plus grandes choses actuellement au niveau de la conscience humaine et du contact humain que nous devons développer avec l'être-té, la conscience de qui nous sommes, et entrer dans notre dimension lumière le plus simplement du monde pour que nous puissions traverser tous ensemble cette période chaotique sans difficulté. Ça fait plus d'une fois que j'en parle et je sais pertinemment que à la période de Pâques, il se passe des choses importantes. Et d'ailleurs, la nuit dernière, j'ai été invitée encore une fois à participer à une méditation qui avait lieu au temple d'or en Agartha, à Shambhala, dans la Terre Creuse, où il y avait des milliers de méditants réunis au temple d'or pour justement se préparer, qu'ils puissent méditer et aider notre humanité qui est en train de traverser une période des plus importantes. Vous savez, ça fait plusieurs vies que nous vivons sur Terre et nous revenons continuellement. Et chaque fois que nous vivons sur Terre depuis des milliers d'années, nous gardons notre âme a la chance de garder en mémoire nos expériences, autant favorables que défavorables. Mais actuellement, ce qui est nécessaire à faire pour la plupart d'entre nous, pour nous préparer, c'est vraiment d'éliminer toute dualité de notre vie, tout état négatif
dans notre vie, nos comportements assassins, les mettre de côté. Travaillons ensemble à vraiment émettre davantage le pouvoir de la sagesse par la pensée, le pouvoir de l'amour dans nos sentiments et notre action, notre volonté puisse enfin se manifester par nos actes, par nos états, par notre attitude, notre attitude de respect. Alors, je sais que certains d'entre vous étaient là la nuit dernière à Shambhala, dans le temple, que vous étiez tous assis autour de moi, en train de méditer, tout simplement dans un état de paix. Et je peux vous garantir que l'état dans lequel nous nous trouvions tous était un état des plus sacrés. Oui, de grands êtres de lumière y vivent depuis très très longtemps et les enseignements que nous avons reçus depuis plus de 2000, 3000 ans, bien naturellement, tous ces êtres qui sont venus sur la planète pour nous enseigner la conscience et l'être-té, surtout l'illumination, s'y trouvaient. Et à ce lieu, dans ce lieu sacré, naturellement, de grandes préparations sont en place pour que nous puissions passer à travers cette période de Pâques avec brio et sensibilité. Que nous puissions atteindre tous ensemble un état lumière, un état de conscience beaucoup plus grand que celui que nous avons connu jusqu'à maintenant. Car certains d'entre nous ont vécu et me disent, vivent encore aujourd'hui des situations particulières lors de leur méditation. Ben moi, je peux vous dire tant mieux, parce que plus vous allez vivre des méditations, plus vous allez vous sentir élevé et en vibration, en changement dans vos états méditatifs, plus vos méditations seront efficaces et pourront être considérées comme étant actives. Car la méditation actuellement peut agir sur nous de multiples façons. Nous pouvons ressentir une grande paix, une suspension intérieure et un état d'apaisement qui est difficile à mettre en mots, en fait. Mais c'est à nous de véritablement nous ancrer à cette conscience lumière qui nous habite et nous rappeler tous qui nous sommes vraiment au départ, car ce que nous sommes n'est pas nécessairement ce que nous avons reçu comme éducation ou comme information ou par le biais des miroirs multiples que nous avons rencontrés dans notre vie, mais plutôt cet état lumière qui nous habite et avec lequel nous devons nous connecter. Lorsque je vous disais tantôt que nous avons vécu de quantité d'incarnations, et à chaque fois que nous nous sommes incarnés, notre âme a conservé la mémoire, les mémoires de ce que nous avons vécu. Et si nous arrivons dans cette vie-ci à rectifier tous nos conflits, tous nos mal d'être, tous ces guerres qui nous habitaient ou qui pourraient nous habiter encore, si nous arrivons à régler, si vous voulez, notre environnement pour vivre en harmonie et en paix avec ce qui nous anime, nous allons gagner énormément de force, lumière et spirituelle. Et c'est de cette manière que nous pouvons arriver à vivre dans l'unification de l'illumination
et nous rappeler ensuite de tout ce que nous vivons parallèlement lorsque nous quittons notre corps la nuit pour aller retrouver ces lieux sacrés qui nous sont ouverts actuellement. C'est à nous de prendre la décision de bien vouloir l'imaginer afin que nous puissions tous ensemble vibrer dans cette dynamique, dans cet état de conscience exceptionnel qui est vécu présentement dans la Terre creuse avec des milliers et des milliers de pèlerins qui s'y réunissent avec autant de stellaires et d'êtres venus d'ailleurs, de grands âmes, de grandes âmes évoluées, de grands esprits de notre vie que nous avons côtoyés depuis des siècles y vivent. Lorsque la période de Pâques arrive, naturellement, c'est un peu comme la période de Noël, mais c'est encore plus fort car c'est la résurrection cette année. Et cette résurrection, nous devons l'activer d'abord en nous-mêmes par cette attitude de respect, de compréhension et de fusion par la pensée avec ce lieu. Avec ce lieu qui est un lieu sacré. J'aimerais bien vous partager plus d'informations sur l'Agartha, sur Shambhala, mais vous pouvez faire des recherches sur Internet et trouver beaucoup d'informations pour connecter avec cette réalité lumière qui vit à l'intérieur de notre Terre. Nous traversons un passage des plus importants actuellement et c'est à nous de tout mettre en œuvre pour accéder à cet état vibratoire, cette conscience qui nous est donnée. Car nous savons que l'Agartha existe et vous savez peut-être pas, mais partout sur toutes les planètes de notre Voie lactée, dans tout l'univers, la plupart des êtres qui y vivent vivent toujours à l'intérieur de leur planète et non pas en superficie. Alors, ce n'est pas étonnant que notre planète soit aussi animée par un temple sacré. La première fois qui m'a été donnée où j'ai été invitée à aller à Shambhala, en Agartha, j'étais en voyage au Japon. Et durant la nuit, je me suis rendu compte que beaucoup dans ma chambre se passait, il se passait des choses incroyables autour de moi. Et je voyais au pied de mon lit deux gardiens extrêmement puissants, beaux, magnifiques, mais très grands, des stellaires, qui étaient au pied de mon lit et qui me demandaient de bien vouloir les suivre et de m'endormir, car c'est avec mon double éthérique que je suis allée en Agartha à cette époque. La première fois, comme la nuit dernière, j'y suis allée aussi avec mon double et que beaucoup d'entre vous y étiez, comme moi, avec votre double en méditation profonde, avec des milliers de pèlerins. Et cette fois-ci, ça a été exceptionnel et tellement sacré, tellement une ambiance de respect, d'amour, de conscience, un acte de volonté à vouloir faire en sorte que la vibration au niveau planétaire puisse s'élever davantage. C'était la manifestation générale qui y régnait. Lorsque j'étais allée pour la première fois, il y a 30 ans exactement, j'avais eu la chance d'être accueillie par une grande fête
Et c'était aussi en période de Pâques. Il y avait des fleurs partout, des couleurs merveilleuses, même des couleurs qui ne pourraient pas être décrites, car nous ne connaissons pas toutes ces teintes encore présentement. Lorsque nous allons enfin pouvoir pénétrer la cinquième dimension, nous allons pouvoir percevoir ce qui est pour l'instant encore imperceptible pour beaucoup d'entre nous. Mais ceux qui font et qui pratiquent sincèrement un travail d'action, de volonté, d'amour et d'attention ont cette grâce actuellement d'avancer 100 fois plus rapidement et de pouvoir pénétrer dans ces lieux sacrés la nuit et de pouvoir être reçu, car c'est pas tout le monde qui a cette possibilité, cette chance. Naturellement, la plupart des gens qui ne se souviennent pas, c'est que souvent leur mental est trop encombré par toutes sortes d'éléments qui doivent être dégagés de leur mental d'abord. Et c'est pour cette raison que j'insiste tant pour que vous fassiez davantage de temps de méditation et de prière, que vous ayez cette habitude de vous lier chaque jour à la vie, à la nature, que vous preniez le temps d'explorer tout ce qui se trouve en vous pour vous amener dans un état de paix et de béatitude, que vous alliez marcher en forêt, que vous fassiez les levers de soleil, car c'est la période la plus adéquate. Bientôt, on va voir plein de fleurs et de feuilles vertes tendres sortir de nos arbres. La régénérescence va se produire partout. La renaissance de la vie va se produire partout autour de nous. Et c'est pour cette raison que plus vous allez devenir de plus en plus sensible à cet éveil, plus vous allez méditer et plus vous allez comprendre l'importance de vous lier à cette mère nature qui est extrêmement puissante et vivante. Et lorsque vous aurez une occasion de vous asseoir et de méditer, essayez, c'est le message des guides de la nuit dernière, de vous imaginer ce lieu fleuri d'une beauté exceptionnelle, cette terre creuse où il y a des vallons, des montagnes, des ruisseaux, de l'eau pure en quantité, des oiseaux, toutes les espèces d'animaux y vivent, tous ceux qui ont vécu, qui sont venus vivre sur la planète, ont été amenés en Agartha pour être protégés, car c'est le lieu de protection de la vie de notre Terre. Et c'est pour cette raison que présentement, quantité d'êtres célestes s'y trouvent pour l'événement de Pâques, mais aussi cette année, c'est plus qu'un événement, c'est un événement cosmique qui se produit en même temps. Et c'est là toute la différence. Pendant des vies et des vies, nous avons dû passer par multiples incarnations et cette fois-ci, nous pourrions enfin en finir avec l'inconscience de ces réincarnations et demeurer conscients si nous atteignons l'éveil, l'illumination par notre travail spirituel. Certains êtres, certains philosophes en parlent sur Internet. Beaucoup, encore une fois, sont prêts, mais beaucoup, malheureusement,
ne sont pas suffisamment préparés pour traverser. Mais certains, c'est à peine. Il reste un fil, un fin fil à traverser, à couper, pour que vous puissiez enfin pénétrer dans cet état de splendeur, de paix et d'harmonie, et que tout ce qui se passe autour de vous ne vienne plus vous atteindre de façon négative. Car si vous entrez dans le conflit de ce qui est en train de se créer au niveau planétaire, vous passez à côté d'un état de sainteté qui devrait vous habiter. Ah, je le sais que c'est difficile à comprendre pour beaucoup, car beaucoup de gens s'imaginent que parce que ça va mal dans le monde, il faut absolument qu'ils prennent parti. Mais moi, je vous dis, non, prenez parti pour la lumière, pour la méditation et pour votre travail spirituel, car c'est ça qui compte avant toute chose. Que vous puissiez vous brancher à votre lumière intérieure et que vous soyez conscient et présent par votre pensée à vos sentiments d'amour, votre sagesse, qu'elle puisse se produire dans votre pensée continuellement, que votre pensée, votre volonté et votre amour soient liés par votre action, tout le temps. Et c'est la seule et unique manière d'arriver éventuellement à ressentir et à vibrer dans ces autres dimensions qui sont ouvertes à tous, mais qui en fait ne sont pas accessibles en mémoire. Car même si vous y venez, même si vous le vivez, souvent vous n'avez pas la capacité de ramener toute cette mémoire dans votre quotidien. Alors travaillez votre imaginaire, travaillez votre imagination afin de pouvoir justement cueillir les fruits de cette richesse qui nous est donnée. Cette richesse de connexion, de contact. Et soyez assurés qu'éventuellement, vous allez ressentir et même vous rappeler de ce que vous vivez parallèlement dans vos nuits. Soyez attentifs à votre vie, prenez soin de votre santé, mangez bien, buvez beaucoup d'eau et soyez prêts à d'éventuels changements au niveau planétaire. Je sais que certaines personnes trouvent ça difficile lorsque je dis que nous devons commencer à faire des réserves. Mais c'est normal que nous commencions à faire des réserves, à avoir des quantités de légumineuses dans nos placards et éventuellement avoir la capacité de faire en sorte que nous puissions par nous-mêmes apprendre à cultiver, à avoir certains plants. Pourquoi? Tout simplement, nous avons devant nous une traversée à faire et nous avons besoin de certaines réserves alimentaires et autres pour réussir à traverser. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas l'opportunité d'avoir exactement tout ce qui vous convient d'avoir, même si vous êtes dans l'incapacité présentement de faire des réserves, si vous travaillez par la conscience, si vous travaillez avec cette liaison de pureté, d'amour, de méditation, vous allez vous calmer intérieurement et trouver les solutions à tout ce qui pourrait être un obstacle dans votre vie. Vous allez trouver des solutions
et vous allez faire en sorte que tout puisse s'harmoniser dans votre entourage et en vous-même, car vous serez inspiré exactement comme il se doit. Alors, c'est pour cette raison que j'ai pas le choix de vous parler, de vous dire, même si vous n'avez pas nécessairement envie de m'entendre vous dire que vous devez absolument prendre en charge certaines responsabilités pour pouvoir justement équilibrer votre environnement. Oui, vous avez un rôle, tous ceux qui ont autour d'eux plein de personnes qui vivent dans la guerre, la dualité et le conflit, ben vous avez un rôle d'harmoniser important. Vous avez un rôle d'harmonie à apporter. Mais ce n'est pas nécessairement en parlant que vous pourrez le faire. Parfois, c'est en gardant le silence et en entourant tous ceux que vous connaissez autour de vous de lumière et surtout en demeurant calme. Hier, je parlais à quel point il était nécessaire même de pas prendre trop à cœur certaines situations de crise que nous allons commencer à percevoir autour de nous, d'être capable d'être témoin de cette parade qui est en train de circuler plutôt que d'être prisonnier de cette parade, d'être capable de se détacher de certaines situations conflictuelles pour les observer d'en haut, de comprendre que pendant des milliers d'années, nous avons souhaité tous ensemble pouvoir vivre ce moment de concrétisation exceptionnelle qui va naître sur notre planète dans très peu de temps. Nous sommes sur le point de passer à une grande étape de notre existence où toutes les initiations que nous avons vécues tout au long de nos incarnations vont pouvoir se concrétiser et nous allons gagner notre liberté. Alors, nous deviendrons souverains. Alors, cessons de voir que le côté obscur des événements, mais travaillons ensemble à faire en sorte que toute cette magnifique énergie qui nous habite puisse se garder en paix, en harmonie. Comme le psaume 91 que je vous conseille de ressentir en vous-même le plus souvent possible. Relisez-le et intégrez-le. Soyez celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Soyez dans cette manifestation. Ressentez les énergies de la lune montante actuelles qui sont extrêmement fortes et qui vont nous amener encore de grandes révélations un peu plus loin dans notre cheminement, qui va nous confirmer certaines réalités qui nous habitent tous. Puis pour ça, il faut être présent à cette magie. Et pour être présent à cette magie, il n'y a que par la prière, la méditation et l'attention à notre état d'être sur trois plans. Le plan mental, le plan des émotions et l'action physique doit être réunie. L'unité doit se faire en chacun de nous et nous devons mettre de côté tous nos conflits pour faire place
qu'à cette harmonie. C'est nécessaire. L'illumination ne pourra pas descendre sur personne d'entre nous si nous sommes en conflit ou en dualité. Car l'éveil, l'illumination, c'est le détachement complet et la foi absolue qui nous habite. Ça vous donne un indice. Le détachement par rapport à ce qui est en train de se produire et la conviction que même nos enfants, notre famille sera protégée. Que ces enfants que nous avons mis au monde ont choisi ce qu'ils se préparent à vivre. Et qu'ils ont la force et la sagesse et le pouvoir de le traverser comme nous. Cessons de nous préoccuper de tout. Préoccupons-nous davantage de notre état intérieur et prêchons cet état intérieur par l'exemple. Alors, je vois même pas les possibilités de partage. Je vois même pas qui peut être là, qui n'est pas là. C'est pas grave. Je vous souhaite à tous, j'espère que vous avez compris le message. J'espère que cette vidéo va pouvoir être transférée. On a eu des problèmes la semaine dernière. Mais vous pourrez toujours la voir sur Inspiration 2020 pour ceux qui sont abonnés à mon Facebook Inspiration 2020. Parce que je ne vois pas si ça fonctionne. Mais bon, je ne vois pas non plus que certaines personnes qui sont toujours là, habituellement, je vous vois. Je vois quand vous m'écrivez. Cette fois-ci, je ne vois rien. Alors, sinon, ben, on la rediffusera à un autre moment donné. Et joignez-vous à cette conscience en Agartha, lumière, à Shambhala, avec ces méditants au temple d'or, au temple des lumières. Imaginez cet endroit d'une beauté incommensurable, avec des êtres assis en méditation partout, très colorés, très purs, très beaux, réunis pour cette méditation sacrée jusqu'à Pâques. Alors, prenez soin de vous. Je vous dis à tous, passez une excellente semaine.